Je m'appelle Aurélie Rech et je suis responsable pédagogique du Bachelor Tourisme à la Cannelle. Je viens du Canada, je suis torontoise et c'est ma première année dans l'établissement. Et puis c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je prends ce rôle-là parce que c'est un projet qui est neuf. On vient de lancer ce bachelor à la demande des étudiants qui étaient en BTS tourisme ici, dans l'établissement. Ils avaient envie de prolonger, avoir un diplôme qui leur permettrait d'avoir accès à des métiers peut-être avec plus de responsabilités. Et puis aussi de faire cet exercice qui est de mélanger à la fois un apprentissage à l'école pour obtenir des compétences très pointues avec une alternance en entreprise de façon à pouvoir immédiatement mettre en pratique ce qu'ils apprennent ici. Donc en faisant cette année supplémentaire, ça leur permet de développer des compétences à la fois informatiques mais managériales en marketing et communication qui leur permettront par la suite d'être ce qu'on appelle le manager intermédiaire entre les équipes du terrain et puis l'équipe direction, de prendre en charge un portefeuille client à un haut niveau, de monter des projets de communication ou dans une structure peut-être un peu plus petite, de gérer différents projets à la fois, d'être aussi bien l'animateur que le responsable d'un programme ou d'un projet de développement de territoire ou de tourisme. Je pense au CRT, je pense à l'Office du tourisme. Alors pour ceux qui aimeraient s'inscrire, soit qu'ils aient fait leur BTS avec nous ici, soit qu'ils viennent d'ailleurs d'un autre parcours, les recommandations, ou en tout cas les personnes qu'on attend dans notre section, sont des personnes qui sont bien sûr passionnées par le tourisme, passionnées par l'apprentissage et la possibilité de jongler entre ces deux milieux professionnels et plus académique. Donc on est très à l'écoute, c'est vraiment un travail main dans la main. Donc on a besoin de personnes en face motivées, c'est une évidence, mais qui ont déjà une envie, qui ont déjà une possibilité d'avancer avec leurs propres aspirations, leurs projets.